Voilà tes pesants, écoutez, j'espère que vous êtes en forme, que la reprise aura été bonne, que ce soit du travail ou des cours. On est le 4 septembre, il est précisément 8h50. Et ce que vous voyez là sont les premières secondes de plusieurs vlogs qui vont arriver sur la chaîne. Vous commencez à les connaître parce que j'en parle dans chacune des vidéos. CDXX ont rassemblé cette fois-ci une dizaine d'individus qui travaillent dans le rap pour qu'on crée tous ensemble du contenu lors d'un séminaire. Comme vous pouvez le voir, on est dans une putain de villa. La vérité qu'elle est super grande. D'ailleurs, que ce soit la villa ou même encore les rappeurs, les réalisateurs, les ingé-sons, les producteurs, bref, tout le monde. Vous inquiétez pas, on y va vraiment chill. Vous allez les découvrir au fil des épisodes. Vous l'aurez compris, le but c'est qu'on soit chill mais qu'on charbonne en même temps, que ce soit sur des vidéos, des gros feats, du clip, bref, de tout, vraiment de tout ce qui touche Opera. Et pour la suite, surprise dans les prochains épisodes. Pour la petite info, nous, ça fait deux jours qu'on est là. Je prends mon déjeuner évidemment parce qu'il est bientôt 9h et que je commence à avoir la dalle. Là, ce qu'on va faire, c'est que j'entends Arthur qui est celui qui gère la partie logistique, communication du studio pour qu'on aille directement rencontrer les rappeurs qui vont arriver. Bon, allez. Oh les gars, ça va? Gang gang, ça va quoi? On calme? Europe, les cris, ça va bien? Gang. On calme. Ah, ça tourne, ça y est, c'est les premiers plans, les gars, c'est les premiers plans, ça. C'est des ROP, des OPC, je suis venu avec mon gars Yacri pour faire du sale avec ses deux WX. Vous n'êtes pas prêts, gros dédicace à mon gars Yacri. La magnifique villa d'El Sergio. Ça va, Ice? Comment est-ce? Ça va nickel, impeccable. Vous avez fait bon bruit, ça va? Ouais, zen. Hi! Ouais, Stevie! Ça va? Yo, quoi? Ça va nickel. Aïe, aïe, aïe! Alors, tu es réveillé? Ça va super, ah, nickel. Hein. Et moi, c'est Wesley, t'as capté. On arrive, on est dans le welcome building. Welcome to the villa. Oh lolo! Attends, ça a bugué. Ça va, ma ça va, tranquille, frère? Au calme. Au calme, tu sais. Non, quoi? Nice. Okay. Nice. Bien, yes, super. Putain, mais un rappeur de plus. Un rappeur de plus, gros. Non, quoi? Yo, moi c'est Ice, Askip, croisement dans les mêmes vieilles shoes, ma man. J'espère que les morceaux qui vont ressortir vont être ça. Montre-moi ça, mon dieu. Je me présente, du coup, c'est Néo. On est venu faire les boys parce que c'est la famille et puis voilà. Je suis pour la caméra. Vas-y, que tu rimes ta frappe. Ah, ça c'est très. La bonne frappe, la frappe, voilà. 1,80 le truc. Ça fait combien de grains? Ça fait ta taille. De ouf. Je suis à 2 pour avoir 3 millions de vues. Sur le YouTube Game. Montre le YouTube Game. Sur TikTok? Ouais. Là, on fait un TikTok. C'est réussi à contre un jour. Ah, oh, putain! J'ai pris ma ventouse. Alors Victor, comment vas-tu? Bah j'apprends à être influenceur. Et c'est très vrai, très compliqué. Tu peux aller fournir quel compte là par exemple si je veux filmer Domaine de Marseillan, c'est le truc incontournable. Parle-nous un peu du domaine s'il te plaît Victor, alors parle-nous un peu du domaine. Et, bah, où est-ce qu'on domaine, est où est-ce qu'on est? Parce que on suit un domaine viticole à Carca, un truc plutôt cool. Un endroit très sympa avec de la pierre et tout, c'est ah, chaleureux. Très sympa. C'est chaleureux, ça fait plaisir. Then girls try air me peak but switch car ball like in or. Il manque juste ça gros, un panier de basket. Chiche, chiche. On revient. Oh shit. BBC my nigga. Oh shit. Oh shit. BBC my nigga. Oh. Oh. Il est chaud. Et voilà la bonne cuisine. Les empanadas se préparent. Ça vient d'où ça les empanadas Green? Amérique du Sud. Argentine. Il y a de la quantité. Hein. Ouais. Enculé. T'as pas l'odeur? Ah, ça sent sacrément bon là, y'a pas l'odeur au micro. T'as pas là, l'odeur, mais t'as le goût. Parce que maintenant c'est la France la mode. Non, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, mais c'est réel. On est en train de nous, on rayonne de ouf. Tu vois, tu parlais des Saproquis tout à l'heure. Ouais. Les Saproquis, gros, trois quarts de l'année là en France. Ouais, c'est plus le bas de mode. Mais ouais, exactement. Oui, non, mais je suis d'accord, mais du coup, ils regardent ce qui se passe en France. Ils s'inspirent beaucoup de la France. On commence maintenant à avoir des maillots de foot dans les clips américains. Ouais. Bon. C'est ça. PSG, Paris, Milan, t'as des Juve. Ah là là les amis, il fallait que le micro ne s'active pas pour la première arrivée du parrain Sergio. Bon voilà, donc savourez ces belles et très courtes images à la bande sonore musicalement sympathique. On a le cadrage, yes. Gang, 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 ouais. Brr, 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 brr. Ça roule
de commence. C'est vrai que déjà, au niveau des paysages par rapport à Toulouse, ça change. Ouais, c'est très verdoyant. Et là, t'es coupé du monde. Ouais. Oh, Sergio qui vient nous rendre. C'est magnifique ça. J'ai jamais vu ma piscine comme ça. Regarde ça. Ça pour la partie de nuit, après on a fait aussi de jour. Donc, non, il va y avoir pour les poules parties. Ouais. Pour les poules, les poulettes. Bon, c'est bien, je suis bien avec la police hein, maintenant. C'est bon ? Pas de problème. Ouais, tranquille. Il est dans les petits papiers du chef. Justement, le directeur. Ustedes son chota novato. Il y a eu ça. Il y a ça. Tu me donneras l'adresse. Et t'as pas montré ta glace ? T'as pas vu sa glace ? Ah, sa glace. T'as pas vu ma glace, mec ? Elle est trop belle, sa glace. Et surtout ici. Une veste, ton pantalon et tout. Ah ouais. Ça, c'est pour le bout de la glace. Le malaise. C'est pour tes bons. Regarde, t'as pas vu ma glace? Ça y est, le boss. T'as fini les empanadas? Ah, ça c'est très bien. Ça c'est chaud. Attends, j'ai tout le monde heureux. Allez, on va faire une vidéo dégustation si vous êtes chaud. Ça lèche les en direct live. Néo. Les papilles. Non, c'est chaud. Voilà, attendez quelques petits instants. Okay, c'est la pub là. Ouais, ils sont tous cramés. Oh là, c'est chaud. Ben. Après avoir bien vidé les plats des empanadas du Maestro Green, place au briefing artistique pendant une bonne grosse dizaine de minutes. Alors pour ne rien vous spoil, on se retrouve juste après. Pendant ce temps, Matt et moi, comment ces enfants sont sages là. Regardez-les, comment ils écoutent. Voilà, ça c'était la première. Vous avez compris, dès que le kick arrive, il faut être transcendant. Et le refrain, vous pouvez être beaucoup plus posé. Là, carte libre, complet. Mais il va falloir le communier ensemble, par contre, la mimique de base. Donc du coup, après, on va passer... on fait du global, hein. On n'est pas rentré dans les détails, et c'est après à nous de travailler ensemble et tout ça. On y va à fond. J'ai vu deux feats qui n'étaient pas les... J'aurais pas vu ça au début. Il y aura un Ice Quentin, dans un côté un peu perturbé, plus drill. Et après, il y aura un délire Whistler Neo, en mode... on parle au petit frère, ou tu vois, c'est un truc vraiment... Avec le feat avec Whist, c'est quoi, c'est quoi comme genre de quoi? On va tirer à la courte paille pour écouter le... Lequel des deux? En premier, ouais, ok. Ah ouais, t'as bien, surprise. Pour écouter, c'est qui écoute en premier, en fait. Ah ok, d'accord, j'ai cru pour qui c'est qu'il y avait la place. J'aime la prod. Excellent. On est dans la bulle, au States, à Disney, à NBA. Pour tous ceux qui ont vu le clip original, qui est disponible sur YouTube, ça, This is my doobie, c'est mon poteau ça. C'est la promo, t'as capté. A 4 dans la top, t'es pété les bosses, j'roule le carmas, je me téléporte, ouvrez ta porte, je prends ton téléphone, puis je soulève ta pole, c'est le plan que j'ai manigancé, je t'envoie à niganté. Si tu me trahis comme Annie chez moi, c'est les fans. Ok, phase d'écriture pour Lewis et Ice. C'est quoi dans le refrain? Tu gardes tous les mêmes rimes. Général, justement, d'être plus général. On s'en fout, chacun chez les pare-balles, on fait des. Tu vois, on s'en bat les couilles. Non, c'est pas comme ça. On a pas la même image, frère. C'est pas comme ça. Non, écoute, dans le refrain, c'est quoi? On garde toutes les mêmes rimes dans le même ordre. Vas-y, dis-lui. Non, mais en fait, le jazz, c'est pas ça. Quand on te dit, c'est quand tu. Ton univers, si tu veux parler de bagarre, de trucs et tout ça, ça, tu peux le garder dans le couplet. On va pouvoir amener un refrain commun. La fume. Mon fume. On passe un truc autour de la fume. Non. Ça reste toujours un centre d'intérêt. Non, après, il n'y a pas que la fume en commun, il y a plein de choses. Ça reste toujours un centre d'intérêt. Je ne vous connais pas, les gars. Ça reste toujours un centre d'intérêt. Toi, tu le centre commun. Le son ? Ouais. Bah, je ne pas faire un son de plus sur la rue, tu vois. Non, mais tu peux. J'allume un bédo. Tu fais une mélo, tu vois. Un truc que tout le monde fait, tu vois. Tout le monde allume un bédo. Parce que
comment dire, ouais, mais justement, c'est pas du mérite d'allumer un bédo, frère. Tout le monde le fait, tu vois ce que je veux non, dire. Non, le mérite là, c'est mais des vraies valeurs là. Ouais, mais genre, en gros, c'est que vous mettez une dimension, genre, ouais, en gros, c'est pour que tu fasses passer un message. À la base, le truc commun à tous les rappeurs, excuse-moi, Virine, un truc commun, c'est ne pas répondre au bigo. En général, les rappeurs, ponctualité et bigo. Oui, moi bon, déjà pour l'instant, on va ne pas répondre au phone. Pourquoi pas, je dis c'est pas mal. Il y a un pari, tu peux élargir le sujet loin. Ne pas répondre au phone, ça peut être tellement de trucs, mec. Tu vois ce que je veux dire? Quand on m'appelle, je lui dis, je suis occupé. Je suis au WC. Bon, bon, ouais. Bon, tu vois, ça peut être quoi? Zizi, ma mère. Abonne-toi, enfoiré, t'es con quoi? Putain de merde. Chaque fois il te met la haise, pas lui. Oh, ma gueule, t'es con quoi? Abonne-toi, sinon je te viens. Je t'encule, c'est bon? T'as capté, je t'encule moi. Ok, là, t'es pésins. On se retrouve d'ici quelques heures pour l'écriture du son. Là, ils sont en train de taffer sur le refrain. Le thème que je leur ai proposé sur le fait que les rappeurs, en général, ne répondent pas au téléphone, ne rappent pas mal plus. Du coup, ils sont en train de gratter un refrain qui est en train d'être efficace. Dites-moi les gars, s'il y a des trucs qui vont pas. Ok, vas-y, chaud, vas-y. On te le dit. Soyez honnête, genre en mode si. T'as fait de la merde, vas-y. T'as pas besoin de nous le dire. Vas-y. Il faut que ça tue. Vas-y, vas-y. On se fait un pull-up. Ouais. Audrey, il doit craquer. J'avoue, il doit voir ce cadre arriver. Oh, vous voulez braquer le bâtiment ou quoi? Vous faites quoi là? Vous préparez un projet X? Vous allez vous confiner dans un fort, c'est ça? Ah ouais, c'est une attaque au PQ, monsieur, ça. Pour bien commencer la journée. Ça, c'est les œufs du matin, ça, c'est pour le DG. Non, c'est pour moi. C'est pour. Ouais, c'est besoin. Pour tenir la brioche. Pour remplir tout ça là. Carlo! Dis-nous! Oui, dis-nous tout. Eh ben je viens de me lever du canapé, tu vois. Tu vois. Et je découvre enfin... Ça a fini le petit drift là. Ouais, c'est fini là. Ça vient jusqu'à... Ça y est. Y'a nous qui est en train d'enregistrer là, si tu vas aller checker. Ouais, je sais, je vais aller voir. Ouais, ça yaourte fort là. Chante dans la mêlée pour tout pétable le temps qu'on parle. Y'a des sous à compter, sécurise le quota. Pour la frappe, j'ai les contacts. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Vas-y. Lewis qui charbonne encore le texte. Ouais. J'ai un petit début. Ouais. Ouais. Plutôt satisfait de ce que t'as écrit cet après-midi. Ouais, même là, t'as vu, je continue encore. Tu peaufines, c'est normal. On a Carlo qui va préparer la table. Voilà. Carrément. Dans Apple, c'est un message après le bip. J'appellerai passer le beat, je suis au studio, Green m'a dit de massacrer le beat, tu dis MC, j'ai pas des traces après le crime. Je sais pas si je suis encore. Ouais, franchement, c'est lourd. Force Apple, sans message après le bip. Ça marche comme ça, toi? Ouais. Allez. Force Apple, sans message après le bip. J'appellerai passer le beat, je suis au studio, Green m'a dit de massacrer le beat, tu dis MC, j'ai pas des traces après le crime. La fin. Force Apple, sans message après le bip. Je rappellerai pas cette bitch, je suis au studio, Green m'a dit de massacrer le beat, tu te MC, j'ai pas tes traces après le crime. Femme, baisse ton couteau, aiguise de la lame. Sous les trous, vite, elle est riche, silicone. Pour les buts, tu m'as fait tout qui les charge. Chacun fait comme elle, le corps habité et trop dynamisé. Maintenant, les reins, c'est le petit couple, c'est la paix et compléter. Ok, ok. Ok, les mecs sont chauds. Bon, ça prépare le petit barbecue par ici. Arthur au barbecue, toujours hein. Le bâtard. C'est pas des lots les filles, voilà c'est le bâtard. Non. Petite épice spéciale. Genre avec son gilet pare-balles, on dirait un reporter en zone à risque. Ouais, c'est un peu ça. Toute cette tête va se faire manger. Check le légis, ma gueule. T'as pris du sale ou quoi, ma mère? Ouais, un peu là, j'ai le pistolet qui déraille un peu là.
Ouais, t'as vu, il a le seul qui marche bien. Ouais, ce bâtard. Tu vois, c'est ce que je me suis dit, ouais. Parce que celui-là, t'as vu, il aspire dans le verre. Dans ouais, le vide. Ouais, ouais, il prend le verre. Ah, il a oh, le bâtard. Le bâtard, on a attaqué. Donne le bon, là, donne le bon, Green. Arrête tes conneries, donne-le. Ouais, Lucas, c'est goûtu ou quoi, les potatoes de bon. Arthur? Hein? Elles sont bonnes de ouf. Ah putain, gros, ça sent trop bon. Arthur, t'as dit, mec? T'as vraiment dit les potatoes d'Arthur? C'est ça le truc? Apparemment, t'y es intégré aussi? Je pense qu'on a oublié un nom dans cette histoire, ah, et ça me fait mal. Ouais, mais toi, dire les potatoes de Arthur et Vic, ça fait un peu bizarre. Tu vois, c'est pas très. Hein, de Vivier, tu tures. De Viture. Y'a pas de tease, mais pas tu tease. On fait les pailles en mode tease. Bouge ton cul, c'est l'heure, mes manips, ça fait peur. Les fleurs fanent, le film d'horreur, l'état, le réalisateur. Citoyen, acteur du blockbuster. Les malins dans le crossover, fuck. De l'impro, c'est le promoteur. Laisse au prochain producteur. Propulseur, repropulsé. Territoire, offusqué. Musulmane de l'hexagone, les exaspère. Islam dans les affaires. Le voile, les répulses, diversité. Que dans Syrie, le fantastique. Les révulses, diversifié. Que dans Syrie, diversifié. Que dans boutique diversifié que dans ceci. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourquoi tous les mois sont tristes? Pourtant attiré par son odeur. Vu qu'elle en a pas, ça se complique. Je suis comme qui dirait prêt pour un con ou qu'on s'est pas compris. J'ai beau chercher rien que je tourne en rond. Autour de moi tout ça sombré. Fuck, il me faut des love, de quoi mettre tous mes proches à l'abri. Rien à foutre des autres. Dis-moi dans la vie qu'est-ce qu'ils t'ont appris. À la foutre le bordel, niquer ta vie. Ça nous mène, ça tu l'imagines, hein. Obligé de mettre de l'or, je veux pas finir comme ces mecs dehors. Allez, clôture-moi cette batterie. Ah bon, tu veux faire un feat avec quoi, maler en studio, faire un clip avec quoi. Tu veux que j'amène toute mon équipe avec quoi, mais peut-être même fumer des spliffs avec quoi. Tu t'excites, arrête-toi. Faut te voir plutôt, tu sais la bite à Grégoire. Oh, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je suis la dernière fois que le remplis sa baignoire. Bon, tu la fermes, ouais. Tu boules si t'as de la tu vas faire. Dégage ma gas, hop, tu vas perdre. Dans la sap mob, tu seras à sap, plus la merde. Aïe 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 aïe! Oh yeah! Oh, une incitation à la haine. C'est extrêmement grave.